Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo d'exercice de traduction numéro 5. Pour les réaliser, vous pouvez utiliser le vocabulaire donné dans cette vidéo ainsi que les quelques bases grammaticales que je vous propose sur ma chaîne YouTube. Je vous recommande aussi de regarder les vidéos d'exercice 1 à 4 afin d'avoir le vocabulaire nécessaire. Les exercices et le vocabulaire traduit que je vous propose sont issus de la grammaire d'Alan Gardiner, leçon 6, que je me permets de réaménager. Les traductions et analyses sont par contre faites par mes soins. Je vous souhaite un bon visionnage et me réjouis de vous retrouver dans une prochaine vidéo.